Dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez, on avait parlé de Kylian Mbappé. Et j'ai vu un commentaire intéressant qui me disait de faire la même chose, mais pour Pulisic. J'ai trouvé ça intéressant parce que je suis pas sûr que des personnes savent qui c'est. Et comme vous le savez, le but dans mes vidéos, c'est de vous faire apprendre de nouvelles choses sur des joueurs quelconques ou tout simplement des clubs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur Christian Pulisic. Tout d'abord, Christian Pulisic, c'est un footballeur américain et croate. En même temps, je pense que ça se voit, dès lors qu'un joueur a un nom qui finit par Itch, il y a une chance sur deux qu'il soit croate. Trouve-moi un joueur croate où son nom finit pas par Itch. Non, vous ne pouvez pas. Non, plus sérieusement, il est né le 18 septembre 1998 à Hershey, en Pennsylvanie, et il évolue actuellement au Borussia Dortmund au poste de milieu offensif, mais également d'ailier droit. Vous le savez peut-être pas, mais il est considéré comme l'américain le plus talentueux à l'heure actuelle et l'un des plus grands espoirs au Borussia Dortmund. Si vous voulez un petit résumé de ce qu'il a pu réaliser, eh ben sachez que la liste, elle est quand même longue. Eh bien sachez qu'il est devenu le plus jeune joueur à marquer un but pour les États-Unis. En 9 sélections, il a été décisif à 6 reprises, 3 buts et 3 passes décisives. Il a aussi été le plus jeune joueur avec les États-Unis à avoir participé et à avoir marqué durant un match de qualification pour la Coupe du Monde. Mais il a été aussi le plus jeune buteur étranger de l'histoire de la Bundesliga. Et ouais, il a inscrit son premier but contre Hambourg le 17 mars 2016 sur une passe de Hummels. Et il a été aussi le plus jeune joueur de Dortmund en Ligue des Champions lors de son match contre Legia Varsovie, où il a d'ailleurs délivré une passe décisive. Et enfin, il est devenu le plus jeune joueur à marquer dans 2 matchs d'affilée pendant l'histoire de la Bundesliga, encore une fois. Mais sa prestation qui a fait beaucoup parler, c'est contre Darmstadt le 17 septembre 2016, score final 6 buts à 0. Pulisic s'est montré en livrant 2 passes décisives, mais surtout en marquant un but qui fera de lui le deuxième joueur à atteindre la barre des 3 buts en Bundesliga à l'âge de seulement 17 ans. Mais pour le moment, si on n'entend pas vraiment parler beaucoup de lui, à l'heure actuelle, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas titulaire à Dortmund. Avec Dembélé, Götze, Emre Mor et Jurle, c'est difficile pour lui de devenir titulaire indiscutable. Cependant, l'entraîneur du BVB s'est exprimé à ce sujet. Il a seulement 17 ans et confirme déjà son talent avec d'excellentes performances. C'est assez difficile de se faire face à tous ces éloges et cela peut entraîner de la distraction. Nous avons déjà eu confiance en lui la saison dernière et il aura sa chance cette saison. Ses prestations convaincantes ont été reconnues par de grands clubs européens qui ont voulu le recruter. Ainsi, il a été courtisé par Liverpool, le PSG ou encore le grand FC Barcelone ou même le Real Madrid. Mais c'est finalement à Dortmund où le jeune talent poursuivra sa carrière jusqu'en 2020. Pour conclure, en ce moment avec Dortmund cette saison, il est à 3 buts en 21 matchs. Mais si l'entraîneur lui laissait plus souvent sa chance, peut-être qu'il pourrait devenir encore plus grand. Mais cela reste à voir. Et également, la semaine dernière, les États-Unis ont joué contre le Honduras, ce qui a valu pour Pulisic une carte boost sur FIFA. Je vous laisse voir ses réalisations. Et donc voilà la vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez me dire en commentaire un sujet de vidéo sur le foot que vous voulez que je traite, ça peut être vraiment très vaste, comme par exemple j'ai dit en début de vidéo, il y a un abonné qui m'a proposé de faire sur Pulisic, je me suis dit ok. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, je prendrai vos commentaires en compte. Et s'il y a des commentaires avec beaucoup de likes sur un sujet de vidéo, eh bah j'en ferai une vidéo. Et donc je vous laisse, n'hésitez pas à poser votre petit j'aime et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, tchuss.